Tout tranquillement le Congo avec Extra Musical Nouvel Horizon. Partir tout droit de la Côte d'Ivoire avec l'artiste annoncé, c'est bien évidemment Mani Bika qui est dans les studios. Bonsoir Mani Bika. Bonsoir Sano. Bienvenue encore une fois de plus dans les studios de Radio Campus Orléans. Ok, merci. En tout cas, c'est ma maison. Voilà, qu'est-ce qui t'emmène aujourd'hui? À chaque fois qu'il y a une nouveauté, apparemment, tu es toujours là. Hein, donc, mais voilà. Là, il y a un nouveau bébé. Voilà. Chaque fois qu'il y a un nouveau bébé, je viens à la maison, mais. Ok. Voilà, dis-nous tout. Je vous dis tout. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Bon, en fait, on a eu Yemele Yemele, qui est pendant, je crois, c'était en 2016, qui a figuré sur l'album Femme d'affaires. Oui. D'accord. Là, tu viens avec une nouvelle actualité. Oui, après Yemele Yemele, il y a eu Tais-toi là-bas. Oui, oui, qui était inclus dans l'album Femme d'affaires, en fait. Merci. Ben là, à ce moment, il y a fait. Ok, et avant d'arriver à ce titre-là, à ton actualité, on va s'écouter Yemele Yemele qui est sur les plateaux Radio Campus Orléans. Ok, ça marche. À l'abri du danger, on est toujours en danger. Tu as fait ton choix, alors vis seulement. En tout cas, Yemele Yemele, tu m'as Yemele Yemele, Yemele Yemele, tu m'as Yemele Yemele. Iskale, Iskale, Mabeti Kumbao, Beatrice Kwame, Sao, Mabeti Kumbao. Il faut avancer, non, 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 jamais reculer. Tu as fait ton choix. Allons-y seulement, en tout cas, Yemele Yemele, tu m'as Yemele Yemele. J'ai tout abandonné pour rester avec toi, en tout cas, les milliers d'aïs, c'est pour qu'on soit heureux. Écoute, je suis pas ton esclave pour me traiter ainsi. Quand tu vis dehors, y'a soit tu es mauvais, tu m'as Yemele Yemele, tu m'as Yemele Yemele, en tout cas, Yemele Yemele, tu m'as Yemele Yemele. Yemele Yemele, tu m'as Yemele Yemele, Yemele Yemele, tu m'as Yemele Yemele, Yemele Yemele, tu m'as Yemele Yemele. On voulait savoir comment on danse ça, c'est le Simba. Je suis jolie, tu vois, et mon matos. Mon gogo t'es, avec tout ça tu es parti. Qu'est-ce que je n'ai pas? Et tu cherches dehors. Qu'est-ce que tu n'as jamais vu? Et tu as vu dehors. En tout cas, Yemele Yemele. Doudou Suka. Tu m'as Yemele Yemele. Rose de Yemele Yemele. Tu m'as Yemele Yemele. Joss le Joss. Bimba Betty Kumbao. Abu Kamal. Bimba Betty Kumbao. Qu'est-ce que je n'ai pas? Et tu cherches dehors. Qu'est-ce que tu n'as jamais vu? Et tu as vu dehors. DJ Luciano. Et oui, c'est vrai que la chanson parle d'elle-même, mais bon, d'où vient l'inspiration de cette chanson? Comment, dans quel contexte tu l'as écrit en fait? La chanson parle d'elle-même, comme vous dites, Didier Hassan. J'ai vu l'inspiration de ce que chacun de nous vit dans son quotidien. Voilà, parce qu'un homme peut avoir tout chez lui à la maison, mais il va toujours aller dehors. Ok, voilà, donc c'est disponible sur l'album Affaires des femmes. Voilà, donc on écoute un autre titre de cet album qui est Manzé. Non, voilà. Ça parle des femmes enceintes. Voilà, encore en gros. En gros, ça parle des femmes qui prétendent être enceintes, pourtant ce n'est pas le cas. Donc on attend que tu accouches pour voir, savoir si tu étais vraiment enceinte. Et tu n'accouches jamais en fait. Voilà, il y a des femmes qui demandent, je suis enceinte. Ah, mon cher, grossesse, attends que tu n'accouches pas, on ne sait pas si c'est un enfant qui est dedans. Ok, on écoute, Mamzé. Ma ou tenga ou di gosi abe.
Moni Beka, tu mets le feu. Hein? Ah, mais on va faire comment? En tout cas, c'est le confinement, en fait. Et puis, voilà, et puis. Allumez le feu! Ok, couvre-feu par-ci, couvre-feu par-là, ah, et vous êtes chez vous à la maison, vous écoutez du bon son. Et c'est l'artiste Moni Beka qui a su la radio. Alors, c'était une très très belle chanson. Tu nous as expliqué un petit peu de quoi s'agissait la chanson. En tout cas, qui c'est qui l'a joué en fait, cette chanson-là? C'est Massero, le lion, c'est lui l'arrangeur de cette chanson. Voilà, avec Massero. Ok. Très belle sonorité. C'est Infidélité, c'est celle-là qu'on écoute actuellement. Voilà, tu nous en parles un petit peu, puis après on lâche. Venez danser avec la cobéa.
Manibika qui est dans les studios. Infidélité. Et puis voilà, ça c'était Infidélité. Voilà, vous pouvez décaler. C'est vrai que le, celui qu'on avait écouté c'était un peu tardi moderne. Oui, c'est et celui-là c'est vraiment style coupé décalé quoi. Oui, c'est ça. Accompagné par qui ce son là? Ben c'est accompagné par un Congolais, un des chanteurs de Koffi Rondé. Voilà. Et puis elle est arrangée par Sami Dola. Sami Dola, oui. Voilà, et puis. Il y a beaucoup d'artistes qui ont intervenu dessus. Qui ont intervenu sur ce titre, voilà. Vous êtes sur Radio, vous êtes sur Radio Campus Orléans. N'hésitez pas à nous contacter comme vous voulez, le Nisbolo Radio disponible pour vous. Et puis si vous avez envie de parler à l'artiste, n'hésitez pas également. On va s'écouter nos titres intitulés Douma. Douma c'est quoi? Parce que c'est une sonorité qui n'a rien à voir avec tout ce qu'on vient d'écouter en fait. Douma parle de ceux qui passent leur temps à critiquer, parler des autres. Donc j'ai dit mon nom là, je vous demande pardon. Laissez Douma parler, ça veut dire mon nom en fait. Ok. Mais en tout cas, mais ça, en fait, c'est, musicalement, c'est, ça n'a rien à voir avec ce qu'on vient d'écouter en fait. C'est, mais c'est vous montez le talon d'Amani Beka. Amani Beka touche à tout. Traditionnel, moderne. Hip-hop. Hip-hop, voilà, je touche à tout. Ok, on écoute Douma, 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 Douma. On est Douma, alors lève la bouche, c'est la grande paix à tout votre monde, 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 monde,
Comment on fait pour passer d'un style comme ça à un autre et puis bon trouve que c'est l'inspiration, faut être inspiré, il faut toujours en dormant, en réfléchissant qu'est-ce qu'il y a la mode, faut une artiste doit savoir toucher tout. Voilà. Ok, trouver cette inspiration, voilà. Oui, c'est ça. En fait, tu touches à tout, donc tu touches un peu aussi au Zouglou, donc voilà, ouais. un petit morceau, Zouglou, hein, voilà. Voilà, c'est ça. Et celui-là, c'est quoi celui-là, dis-moi. Le mariage. C'est le mariage. Voilà. Ça parle de mariage. Voilà, le mariage, c'est pas une course, parce qu'il y a des personnes, il y a des femmes qui ont des amis qui sont mariées, voilà. Ils se disent que, voilà, ma copine, elle est mariée, pourquoi moi, c'est pas mon tour. Mais le mariage, c'est pas une course, hein. C'est chacun à son tour. Hein. Ok, on écoute tout de suite. Chacun à son tour. Hein. Chacun à son tour. Le mariage, mon frère, il ne faut pas forcer. Mariage, ma soeur, il ne faut pas forcer. On est centré, tu pars. On est centré, tu pars. Non. La vie de chacun à son tour. Tu peux me souder, tu peux me frapper. Mais ne suis pas ma mère, et non. Mais ne suis pas mon père, et non. Ma mère m'a toujours dit. On choisit pas sa famille, mais on choisit ses amis. Et ma douce dit, on choisit pas ses enfants, mais on choisit son mari. De la vie, chacun à son tour. Kennedy. Ne sois pas jaloux, ma sœur, ne sois pas envieux. Chacun a son tour. Il faut te chercher. Ne sois pas jaloux. Quand tu connais ton maman, faut pas pleurer. Maria, c'est pas forcé. Pour vie et chenot. Diable de Paris. Le mariage, c'est pas forcé, ma chérie. Je suis pas forcé de parler, ma copine. Ou bien, quant à ma chérie, chacun a son tour. Chacun a son tour. Chacun a son tour. Chacun a son tour. Et Right.
très belle chanson de Mani Beka qui est encore dans le studio de Radio Campus Orléans. C'est vrai que ça parle, ça parle, ça parle. Mani Beka a trop d'inspiration. Voilà. Après, si vous avez envie de découvrir tous ces sons, hein, n'hésitez pas à partir, faire un petit tour sur la chaîne YouTube, hein, à Mani Beka officielle ou sur Exocom. Hein, il y a tous les tubes de Mani Beka, hein, la boîte de production. La gratuite, la payante, tout ça. Voilà. Donc, c'est disponible. Voilà. Bon, on passe du zouglou au reggae. Et comment ça se fait? On passe du zouglou au reggae parce que c'est des trucs que j'aime d'habitude. Je vous ai dit tout à l'heure à Sam que j'aime toucher à tout. Voilà, dans la vie, il faut tout toucher à ta cartiste pour faire des espérances. Ok. On écoute tout de suite Mon Afrique. Mon Afrique, oui. Ok, c'est sûr, Radio Campus Solaire, 88.3. Le message est fort. Ouais, voilà, c'est un bon reggae qui figure sur l'album Affaires des femmes, disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Voilà. Et qui c'est qui a composé ces titres? C'est encore le lion, les arrangeurs. Max Hero. Ok, les paroles viennent de qui? Les paroles viennent toujours de moi. Le cœur. Le cœur vient de moi aussi. Ok, tout vient de toi, sauf la musique. Sauf la musique. Toute c'est la déjà assez. De moi. Mais celui-là. Sur son B. Mais encore moi. On dit quoi dans son B? Son B, ça veut dire que j'essaie en train de limiter mes grands frères, les grands sœurs qui ont commencé avant moi. Donc, qui ont commencé à chanter avant toi. Avant moi, oui, voilà. J'ai pas dit Antoinette à la nuit, Antoinette Kona, Chantal Taïpa, Reine Pélagie, Aïcha Kone, Maman à la nuit, Kona, tout cela que j'ai là en hommage. Tous ceux qui t'ont précédé dans la chanson. Voilà, c'est des moments qui m'ont bercé quand j'étais petite. Donc. Voilà. Mais là, ce direct, c'est suivre les Non, c'est un hommage à toutes voilà, les élus. Voilà, hommage, oui. Ok. Donc, on écoute tout de suite 60B, c'est sur Radio Campus Orléans. Tropical Vibration, c'est ton émission. C'est tous les samedis, 19h, 21h. Mon lycée caille, mon lycée en bon, mon lycée en bon.
Radio Campus Orléans, l'artiste est dans le studio pour votre plaisir. Et puis après celui-là, c'est du traduit moderne. On passe encore à la musique urbaine, notamment le coupé décalé avec Al Kabir. Voilà, et celui-là, dis-nous un petit peu qui c'est qui l'a composé également. Il a dit après c'est moi, après il y a. Là c'est Sammy Dola. Là. Sammy Dola, l'arrangeur. L'arrangeur c'est Sammy Dola avec. Al Kabir. Al Kabir, et puis voilà, accompagné avec Amani Deka. Deka va la copier avec moi. Oui, c'est vrai qu'on se pose toujours la question. En début de toutes ces chansons-là, c'est la Gobéa. C'était la Gobéa. La Gobéa, c'était la jeunesse. Aujourd'hui, c'est la sagesse. La sagesse. Donc, c'est Amani Beka. Amani Beka, aujourd'hui. Mais c'est toujours la même personne. C'est toujours la même personne. OK. La même folle, et les mêmes histoires, et les mêmes trucs. Ça va commencer. OK. Vous avez envie de découvrir l'artiste en long et en large, allez-y sur la chaîne YouTube. Hein. Ah. Amani Beka officiel et Exocom, tout ce que vous voulez. Toujours, l'amitié c'est très important, les amis. Allez, tout le monde à la condition. La bouffée est venue pour délivrer tous les hommes qui meurent. On y va, hé. Toujours.
Voilà un titre qui est disponible également sur l'album Affaires des Femmes. Toujours. Avec une belle orchestration, une belle inspiration. Comme d'hab. Hein. Mais bon, tu t'attaques trop aux hommes là. Pourquoi? Ben parce que c'est mes cibles, les hommes. Ah ouais? Voilà, c'est que tu. Les hommes, ils sont têtus. Et celui-là, là, c'est vraiment la carte d'identité? Non, celui-là, c'est la carte d'identité de toutes les chansons que vous avez écoutées tout à l'heure. Oui, oui. Voilà, les gigolos. Okay. C'est une histoire vraiment. C'est triste, mais c'est la vie, c'est comme ça, ça fait partie. Ok, de la... c'est vrai que tu avais commencé dans un groupe, d'accord? C'est dans ta bio, on voit ça, tu avais commencé au sein d'un groupe. Et après, c'est ce titre-là, avec ce titre-là que tu as commencé, tu t'es démarqué en carrière solo. C'est oui, bien c'est ça, oui, c'est mon titre solo, voilà, des gigolos. Et le premier titre qui. En groupe, c'était Béa et Momo, et oui, le titre, c'était Yassoua, ça parlait toujours des hommes. Yassoua, ça veut dire des hommes. Ok. Je sais, tu comprends pas, Marie. Si le temps nous permet, on pourra écouter un titre de ton titre l'autre que tu es en groupe, voilà, hein, c'était hier soir. Mais pour l'instant, on écoute le titre qui a permis à Mani Beka de devenir tout d'abord la Go Béa et ensuite voilà la reine des reines, la reine des reines, comme elle le dit. C'est chicolo, on écoute tout de suite l'artiste en lien avec tu dans les studios. Le gigolo, qu'est-ce qu'on n'aime pas dans la vie? L'argent facile, ça c'est le mot ça. La zone qui me fait mettre ça la guérie, ça c'est le mot ça. Quoi, gigolo, là, toi là qui nous battait, ça tire, 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 qu'est-ce qui t'a inspiré sur cette chanson en fait? Bien sûr, tu veux savoir ça. Non, non, mais bon, les auditeurs veulent savoir, pas moi spécialement. La chanson m'a inspirée par une maman, une vieille mère. Oui. Voilà, que j'étais le nom, avec un vieux père aussi, que le monde entier connaît aussi, que j'étais le nom. Oui. Voilà, le vieux père était plus âgé que la vieille mère. Donc, tu sortais ensemble, la vieille mère s'occupait de lui. Okay. Et moi, c'est, à chaque fois que la vieille mère prenait pleurer chez moi, je la consolais, mais je ne savais pas plus quoi lui dire parce qu'elle est tombée à folle amoureuse de ce dernier. Mm-hmm. Donc, elle m'a dit, soit je suis couchée là, je dis, mais attends, avant, non, c'est comme ça, ça se passe ici en France, je venais d'arriver il n'y a pas longtemps. Ah, ok. À Paris, ici, dans les hommes, c'est des gigolos. Donc, l'inspiration est venue comme ça. Okay. Un jour. Après, tu t'es mise à écrire. Voilà, c'est à composer comme ça, ta chanson. Et j'ai appelé ma topino. Ok. Pourquoi tu rigoles? ça fait rigoler. Ok. Ok, ok, ok. Bon, on écoute celui-là. Ça dit. Oiseau. Oiseau, c'est par contre, celle-là, ça va nous tisser un peu parce que Ahmed oui. Bakayoko, j'ai chanté son nom. Oui. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps de le rencontrer. Oui. Voilà. Mais Oiseau, fais un peu passe au micro, s'il te plaît. Voilà. Le Oiseau, je disais tout à l'heure, je dis cette chanson, mais actrice depuis quelques jours.
Oui, oui. Que j'écoute à la maison depuis que papa est parti, Ahmed Bakayoko. À qui on rend hommage d'ailleurs? Je rends l'hommage aujourd'hui, je perds à son âme. J'ai vraiment ce monsieur, j'ai beaucoup aimé. C'est pour ça que je l'ai rendu hommage dans ma chanson. À travers cette chanson-là, oui. À travers cette chanson depuis 2012, mais je n'ai pas eu la chance de le rencontrer. Et je suis aujourd'hui, je peux dire que j'ai une partie de moi qui est partie, parce que j'ai toujours rêvé de rencontrer ce monsieur, ce frère et puis ce papa en tout. Mais Oiseau aussi parle d'humiliation. Voilà, Oiseau parle d'humiliation. Parce que tu peux tout donner à ton prochain, mais tu finis par toujours être humilié. Ok, on écoute, le message est fort. Commencer cette morceau à la demande de l'artiste parce qu'on voulait absolument qu'on entende le nom de Louis Devin, Ahmed Bakayoko, qui nous a voilà, qui est parti. Un grand homme n'aimait jamais. Voilà, ok. Vous, enfin, ta chanson et tous ceux qui ont chanté son nom sont toujours là pour lui rendre hommage en fait. Toujours. Est-ce que tu as encore un mot à rajouter par rapport à ce grand monsieur? Les mots me manquent, c'est, heureusement les mots me manquent parce que depuis 3 jours j'ai fait pleurer sans suite. Donc je demande à toutes les Ivoiriens, soyez solidaires toujours, soyez sereins, parce que c'est la vie. Pour ceux qui l'ont donné coup de main, ceux qui l'ont connu, moi je l'ai vu à la télé, mais personnellement je ne le connais pas, malgré tout ça je l'ai. Donc et puis je souhaiterais dire condoléances à sa femme et ses enfants. Voilà, pour dire que toute la Côte d'Ivoire, nous sommes avec eux. Et moi personnellement, Mani Beka, je suis, les peines c'est ma peine aussi. Ok, merci beaucoup. En tout cas, c'est un peu triste, comme tu l'as dit, mais bon, ainsi va la vie. On va s'écouter encore une musique, cette fois-ci pour adoucir le mœurs. C'est voilà. Je vous ai dit, Mani Beka touche à tout. Ça, on est parti aux Antilles un peu là. Ok, dis-nous. Cette chanson, j'attaque quand même la femme et en même temps les hommes. Ah ouais? Voilà, donc je vous laisse écouter la suite. Ok. Je vais voir les photos. Pourtant, tu t'en vas.
Deux à deux en fait. Mais en fait, la vie c'est comme ça. Hein. Il faut que moi en tout cas, en travers de mes chansons, je donne conseil à des hommes comme les femmes. Ok. Bon, juste après ces titres, Trahison, on arrive à un gros tube de Manny Beka. Gros tube. Tais-toi là-bas. Chanson de maturité. Donc on c'est génial tout ça. Ok, bon, on écoute. Merci mon Dieu pour ta junior. Merci là-bas. C'est Dieu qui donne, ne sois pas jaloux. Dang 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 d
est disponible sur le marché du disque. Vous pouvez le trouver partout sur Amazon, partout. C'est la page officielle à Manu Beka et je comme aussi. Voilà. Donc voilà. Voilà quoi, vous trouvez ce titre partout. C'est un extrait de l'album Affaires de femmes. Voilà, très très fort. Très fort. En tout cas, tais-toi là-bas. Bon, tais-toi là-bas. Dis-nous un peu, qui doit se taire? Dis-nous. Chaque chanson, elle fait ma vie. Ah oui? Ok. Il y a la moitié de chaque chanson qui refait ma vie. Donc, ça, ça fait partie d'un passé. Oui. Pour ceux, tu sais, même de ma vie privée, de mes bouts. Oui. Donc, comme je respecte, je l'ai dit dans mes chansons, à travers de mes chansons, tais-toi, mon frère ou ma soeur, tais-toi là-bas. Ok. Voilà, c'est comme ça, ça y est, ça chauffe pas. Ça chauffe pas, c'est voilà. Tout dit. Nous sommes sur Radio Campus Orléans. On finit à 21h cette émission. C'est tous les samedis, 19h-21h avec Hassan. Et aujourd'hui, 4 blanches à l'artiste orléanaise, à Mani Beka. On va écouter le remix de son titre Chacun son tour, cette fois-ci en version coupée décalée. Et après, on arrive juste après ce titre-là. La fameuse chanson qui t'amène ici ce soir, tu vois, du qu'on peut se remercier. Le bébé, voilà. Chacun a son tour, dans la ville, chacun a son tour. Les renards passent, chacun a son tour, dans la ville, chacun a son tour. Emmanuel Adebayo, l'international. Si elle est une voiture, elle ne sera pas des voitures. Ne sois pas jalouse, ma soeur. Chacun a son tour, mon frère. Chacun a son tour, ma soeur. Chacun a son tour, mon frère. Chacun a son tour, ma soeur.
ne plus pas mal, les abonnés. Salut les mannequins. Maman, maman, maman. Salut les mannequins. Maman, Rosa. Yo, yo, yo. Chapéra, Santo. Yo, yo. En tout cas, j'ai grand au complet. Yo, yo. Chapéra, Santo. Yo, yo. L'hymne national est là. Voilà, l'hymne national est là. Alors, dis-nous. C'est ça qui t'amène aujourd'hui sur les confessionnaires. En fait, je suis venu pour vous présenter ces titres. Et on a profité pour faire un parcours. Et t'es donné carte blanche à sur Radio Campus Orléans aujourd'hui. Ok, dis-nous tout sur cette chanson, s'il te plaît. Ma chanson, franchement, c'est... Je peux dire que ça m'a fait mûrir aussi. Hein. Cette chanson, c'est, on peut dire que c'est maintenant Amani Bekava encore plus rentrer dans la musique. Ok. Dans cette chanson, j'ai interprété cette chanson. C'est une chanson de Kwadio Morrison. L'homme, tu m'as pris ma main pour la première fois. Tu m'as pris la main la première fois pour m'amener dans un studio. Il s'appelle Kwadio Morrison. C'est une de ses chansons. Et un jour, je dormais et puis il est venu me voir dans le rêve. Il m'a dit, mais écoute, toutes mes chansons, tu sont là. Et puis, inspire-toi dans celui que tu t'es plaisé. Donc, j'ai choisi cette chanson. Celle-là. Et la chanson parle de... Parle de quoi? Ouais, vas-y. Bon, on écoute. Voilà, on va expliquer ça après. Ok. Maintenant qu'on a écouté le bout de la chanson, on va dire l'intégralité de la chanson, explique-nous tout. Kwadio Morrison, voilà, qui voilà, t'a amené... Voilà, Kwadio Morrison, tu m'as demandé un rêve de choisir une de ses chansons pour la m'inspirer là-dessus. Donc j'ai choisi Atankele. Atankele, c'est le titre d'ailleurs de sa chanson phare, cette okay. chanson. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi cette chanson. La chanson parle de les femmes envieuses, au lieu de chercher à avoir leur mari à eux, elles attendent de prendre mari de leurs camarades. Mais la femme que tu t'en sortir avec son mari là, ils ont galéré ensemble.
Non, toi, tu quittes là-bas comme ça, tu arrives, voilà, parce que, bon, tu as tous les atouts, donc, voilà, chérie, c'est mouvant. Même si tu veux croire qu'il va chercher, il va chercher sa femme, ça n'existe pas. Ok. Blas ou pas? Ben, Wendy. Quadjo Morrison, c'est bien ça, hein, Quadjo Morrison. Qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a été, qu'est-ce qu'il a fait pour toi en fait, dans ta carrière? Quadjo Morrison, je peux dire, c'est la clé de ma vie. Ok. Mais pas son âme. Moi, Quadjo Morrison était mon voisin. Que j'étais très très jeune, j'étais petite. Il m'attendait chanter. Puis un matin, il m'a pris, il m'a amené dans un studio. Shinge San Santa, pas son âme aussi. J'ai appris en 2019 qu'il est décédé. Et ça m'a touchée parce que j'étais pas au courant. C'était notre premier producteur. Donc c'est ce monsieur qui a cru en moi pour la première fois. Il m'a dit qu'il y avait quelque chose à apporter à ma nation. En chantant, je peux vous apporter beaucoup de choses. C'est comme ça qu'il m'a amené dans un studio pour la première fois. Ok, là tu reprends cette chanson. Est-ce que l'arrangeur qui a travaillé sur ce son a écouté le fameux titre à tant qu'il est de Quadjo Morrison avant de composer, ou tu juste lui as donné? Non, pas du tout. Je suis arrivé déjà chez Paquet. D'abord, c'est lui qui était le premier arrangeur. Le premier arrangeur. J'ai enregistré beaucoup de chansons dans mon portable sans lui parler de quoi s'agit. De quoi il s'agit en fait? De quoi s'agit, voilà. De cette chanson. Et puis il y avait plusieurs trucs. Camilla, plusieurs mélodies hein. Dans mon portable, et puis je l'ai fait écouter. Puis il a dit non, qu'on choisisse cette chanson. J'ai dit comment on choisit cette chanson? Attends, je n'étais pas parti à la base pour celle-là. Oui. J'étais parti à la base pour celui-là, il va sortir bientôt. On peut avoir un petit bout de celui qui va venir. Hein. Avant la femme battue. Ouais, ça c'est quoi? Un petit acapella de ça ou bien. Grosse esprit pour Radio Campus Orléans. Voilà donc, j'étais parti pour femme battue. Il n'y a pas de. Les hommes qui frappent les femmes. Et quand je suis arrivé, il a écouté les deux. Il a dit les deux sont bons, mais lui il préfère celle-là. Ok. Voilà. Sans savoir que c'était une chanson de Quadjo Morrison. Ok. Donc en fait, il a jamais écouté cette chanson. En fait. Non, il n'avait jamais écouté. Et on est arrivé, quand je suis arrivé dans son studio, on était en train de discuter. D'ailleurs, je n'étais pas parti pour faire son. Je suis parti en tant qu'ami. Oui, oui. Voilà. Et puis on en discutait. Et puis il m'a dit, mais toi, tu es dans le studio là, tu n'as rien à composer. Il dit, ah, j'ai plein de trucs dans les portraits. Il dit, fais-le faire moi écouter. Donc c'est comme ça, je lui ai fait écouter tout ce que je chante avec ma voix, avec sa dépreuve. Oui, oui. Et puis c'est comme ça, il a dit, non, que lui. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire la chanson? Et puis il m'a dit, échante, lui aussi la réponse. Attendez-le! Il me dit répète encore, il dit. Il dit on va prendre cette chanson. Ok. Donc ça donne courir tout ça. Hein? Oui, courir, c'est comme je n'ai pas de femme qui va voler. Oui. Quand tu vas voler là, le propriétaire arrive là, tu es obligé de courir. Tu mets dedans quoi en fait. Donc on va courir sur Radio Campus Orléans. On va courir ensemble. Ok. La meilleure des fréquences de la région centre. Tropical Vibration, c'est ton émission. Le président,
yojine atakele yoji won ne na eyan pon epenyo Fatima Fakir oh ni ne mae na mo sowo o ya ti o ma ko mi un ye ni kun dere jo dote tano Pour revenir à l'inspiration de cette chanson, est-ce que Kadjo Morrison, lui, il avait abordé le même thème ou c'était juste le titre de la chanson que tu as pris en fait? Non, il n'a pas abordé, non, c'est pas le même thème, hein. C'est juste Atakele, il a chanté Atakele, Atakoune, Atakale. Mais là, ce que j'ai rajouté, c'est pas non. C'est même pas les mêmes. Quand on écoute celui, tu comprends même pas, Barré, tu ne sauras même pas que c'est les mêmes chansons. Ah, ok. Mais en tout cas, on rend hommage. Et on dit merci à Papa Kadjo Morrison hein, de t'inspirer autant. Et en tout cas, c'est. Voilà. Donc, avant de terminer cette émission avec toi, hein, est-ce que tu souhaites. Quel est le titre que tu souhaiterais qu'on réécoute encore pour boucler cette émission? Je souhaiterais quand même écouter mon premier départ, que j'ai commencé. Le jour où j'ai mis mon pied dans les showbiz, c'est Yassoua. Ok, on va gérer ça. Va chercher ailleurs. Avec qui? Avec Momo, c'est un groupe, on était deux filles, Béa et Momo, mon nom c'est Béa. Ok. Voilà, c'est toujours moi la chef, donc je suis la reine. Ok. Donc vous pouvez la retrouver sur la chaîne YouTube Armani Beka M officiel et sur Exocom aussi. Oui, voilà la et chaîne YouTube. Les téléchargements gratuits comme payant. Voilà. Mais ne partez pas le télécharger gratuit quand même. Aidez-moi un peu. Ok. J'ai besoin de votre soutien. Okay. Donc, comme on dit, l'invité est roi, on va dire l'invité est reine aujourd'hui, donc voilà pour voilà, toi. Voilà, c'est la reine des reines. La du base, mais je suis la reine des reines. Voilà, la première fois que tu as mis le pied dans un studio. La c'était... première fois, oui. Voilà. C'était avec Yassoua. Wow. Et avec Béa. Moi, c'est Béa, non, c'est Momo. Ok. Oh, Jamla, Lele Bo, oh, Jamla, oh, oui. Yassoua, ma. Désolé, c'est une chanson qui date depuis qu'il y avait 16 ans, depuis 1989.
Donc si je me trompe dedans, ne vous fâchez pas. De te savoir héroïse. Non, tu m'as rentré là-dedans. J'espère que chez vous aussi, j'ai tous les tubes de Mani Pekka sont disponibles sur sa chaîne YouTube, à Mani Pekka officiel, et sur Execom. Toutes les vidéos de l'émission sont dispo. Et les mix de l'émission. Ça te ramène plus de 20 ans en arrière, ça, hein? Oui, ça me ramène plus de 20 ans en arrière. Ça, c'est vraiment, ça m'a rentré là-dedans, oui. Beaucoup de souvenirs. Ouais. Voilà. De 16 ans, à 16 ans, t'avais à 20 ans, t'avais peur de rentrer du micro, t'avais peur de rentrer dans l'institut. J'avais peur de tout, en fait. Je me rappelle notre première émission télé, on avait fait Vibration. Oh là, je suis peut-être tombé dans la piscine aussi. Ok, on est. J'avais la honte. On écoute tout de suite. Vous êtes sur Radio Campus Orléans, 88.3. L'émission Tropical Vibration, c'est le samedi 19h, 21h avec Assa. C'est qui va encore les jouer la guitare là? Freddy Assoba. Oui, c'est lui qui joue la guitare. Ah ouais, il y a vraiment longtemps avec toi, avec Freddy. Hein. Oui, mais Freddy, papa Freddy, s'il m'écoute là, il va dire ouh, la petite là, elle n'a pas la chape. Ok. Amené ici, c'est vrai qu'on a écouté la première carte d'identité d'Amani Pekka, qui était Béa. Le nouveau bébé. Voilà, c'était Béa et Momo. Aujourd'hui, c'est Amani Pekka. On est passé de la Go Béa à Amani Pekka. Voilà. Ok, donc la maturité. La maturité, c'est ça? Oui, là, je suis une femme maintenant. Là-bas, il y a un bébé. Ok, bon, voilà. Dernier mot sur Radio Campus Orléans. Et puis... Mais franchement, je remercie Radio Campus Orléans. Tu fais beaucoup pour les artistes du monde déjà. Toutes les artistes, parce que c'est pas évident en France ici d'avoir une radio. Tu acceptes de rencontrer les artistes qui viennent d'ailleurs. Tout nous sommes des Africains. Donc, je remercie déjà Radio Campus. Je remercie déjà Radio Campus pour ça, parce qu'ils sont ouverts à toutes les artistes du monde. Et ça, c'est ça qui nous fait Radio Campus numéro 1. Ok. Radio Campus, Radio Campus, merci à vous.
Avant de te laisser partir, de ce studio, je ne peux pas un gros clip qui arrive hein, avec beaucoup de surprises. Voilà, il y a le clip de. Comment ça s'appelle? Il y a Fête qui arrive. Oui, le titre qu'on est, on écoute qu'on vient d'écouter à ce moment. Voilà, oui. Puis je vous prépare aussi les plus grandes surprises avec Amani Beka. Attendez-vous à tout. Voilà. Okay. La reine des reines, ça ne chauffe pas. Il y a un gros poids lourd du showbiz ivoirien qui est dans ce clip. Donc, voilà, là, ce serait la surprise de la thé. Okay, okay. Mais cas... regardez-moi mes paiements, mes aboutis avec les gnagnas, tout ça là. Okay. Très, très bientôt, Amani Beka arrive bientôt pour pas qu'il nous Inch'Allah. Ok, merci d'être venu sur Radio Campus Orléans, Amani Beka. Et oui, merci à Hassan. Voilà, en tout cas, très, très belle chanson et on te souhaite plein de succès. Et tu reviens quand tu veux, tu sais, c'est la maison. Bon, je reviens demain. Ok, pas de soucis. Ok, bonne soirée à tous pour Amani Beka, pour ceux qui ont été là. On continue l'émission. Il nous reste à peine. De minutes, on aura terminé cette émission. Voilà pour vous, Fanny J, la Guyane, juste après la Côte d'Ivoire et l'Afrique.